Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau championnat organisé par la Team LSF. Ce soir on est en Ferrari 296 GT3 et je suis très content de restreamer à nouveau de l'Assetto Corsa Competizione. Ça nous promet de belles images et un beau spectacle ce soir, et sur toute la durée de ce championnat on aura 5 rendez-vous. Ce soir on est sur Suzuka, on ira ensuite à Kyalami. Ricardo Tormo pour la troisième manche, Laguna Seca pour la quatrième. Ensuite nous aurons Bathurst et on terminera avec Dunnington. C'est la rentrée hein, pour la Team LSF, c'est un petit peu la rentrée aussi pour la chaîne. Et on va revenir à du stream de Sim Racing. Notamment donc avec ce championnat et également avec la saison 8. Sur Air Factor 2, également organisé par la Team LSF, on en reparlera, hein, la saison 8 du championnat GT3. Et puis d'autres événements à venir en Sim Racing. Voilà, salut Laurent. Alors je voudrais aussi profiter de ce petit moment avant que l'on passe en qualification pour remercier tous les nouveaux followers. Là, vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne dans la journée, donc je voudrais vraiment tous vous remercier. Sebax83, Anthony Chinel, Nico Yeye, SNR Christo, Domino1964, Davep44, Pro XX Racing, Franck NRT, MXN TVNA, Viking Kart 27, merci à tous pour vos follow. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis je vois un nouveau follower là, Volnarb, qui nous rejoint également. Merci vraiment, merci à tous. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vois que le serveur est passé en qualification. Donc on va aller en piste. Normalement, mon ami Tonchmax devrait me rejoindre dans un instant. Merci beaucoup. Je te trouve pas. Eh ben, je suis juste en dessous sur le Discord. Il y a une petite rubrique streamer, mon cher Tonchmax. Comment vas-tu, mon cher Laurent? Merci, bienvenue à tous. Tu n'y as pas accès. Ah, alors il faut que tu ailles frapper à la porte de Titom, je pense, pour ça. Alors nous, on va changer un petit peu l'affichage de tout ça, parce que là, je suis pas comme il faut. Voilà qui est mieux. Et on se met bien en broadcasting. Petits ajustements. Hop, avant de commencer, allez, je vous propose de faire... Ah oui, t'es en vacances toi, t'es en vacances. Ouais non, j'ai repris le boulot. Alors, nous avons donc engagé ce soir, alors on a 47 voitures en piste. Alors, il me semble que c'est la première fois que je stream une course avec autant d'engagés. Et là, je pense que c'est ton Schmax qui m'a rejoint. Oui, tout à fait. Et ben voilà, t'as trouvé ton chemin. Du channel. Bon, salut Tommy Roquoi qui nous rejoint. Salut à toi, comment vas-tu, Tommy? Salut, Tommy. Allez, on fait le tour de tous nos engagés. Il y a 6 minutes encore de qualif. Donc Laurent Rollet, on a ensuite Romuald Van Niemen. Histoire de se familiariser un peu avec les voitures, les skins. Clément Martin. Crevis 42. One Dubiman. Jean-Marc Punter. Pierre qui roule, magnifique pseudo. Hein. Bravo, Christophe Sandre. Arnaud Pérez. Philippe Renault. Johan Lahaye.
Non, une caméra qui a un petit peu de mal à trouver certaines voitures, apparemment. Stéphane Félicité. Alors, il y a tout un tas de pilotes que je sais pas toi, ton Schmax, mais que je ne connais pas du tout. Là, on a Joris Lordel qu'on connaît. Petralia Massimo. Alors, Petralia Massimo, il me semble qu'on l'a vu sur des. Je l'ai vu chez les ODS, peut-être, non ? Ça me dit rien. Ça me parle, Massimo. Je me trompe. Ouais, non, effectivement, là, sur cette session-là, il y a pas mal de gens externes. Qu'on ne connaît pas. Bah, tant mieux, bien. Hein. Je pense que ça va être des gens qui roulent beaucoup sur ACC. Ouais, probablement. Et que, ouais. Comme on streamait peu d'ACC, effectivement. Le équipier de Pierre qui roule, c'est Namas Pamous, bien sûr, Laurent, évidemment. C'est d'une logique implacable. Manu Lopez. On a Ludovic Corpato, c'est pareil, c'est un nom qui me dit quelque chose. Tony Witt, que je ne connais pas. François Guillaume. Ben Rossi, alors on a pas mal de pilotes de la NRT hein, engagés sur ce championnat. David Bertolom. Olivier Vignon, qu'on connaît bien. Pasquale Infantino. Alex qu'on connaît mieux que bien. Voilà, donc... Alex... Belle livrée avec le logo de la chaîne, bien sûr. Unita, Laurent Unita, Ulrich Jacobi, Crevis 40 de la team LSF. C'est ton enceinte qui s'est mise en route. C'est mon enceinte qui s'est mise en route et que. Jette là par la fenêtre. Et puis en plus, elle est bavarde. Elle a des choses à raconter. Ah ouais, hein, c'est dès que tu prononces le nom de. Alors là, elle nous dit des trucs, mais incroyables. On a l'impression d'être avec un nom qu'il ne faut pas prononcer. Tu vois. C'est ça, ouais. Celui dont il ne faut pas prononcer. Vilisiane, c'est Alex, oui, Tommy. Attention, qui va nous sortir quelque chose. Du coup, les classements ayant changé, je suis un peu perdu. Jean-Baptiste Kefelan. Titom, je sais pas du tout qui c'est. Romain Ray. Il a une annonce à faire, hein, Titom, parce qu'avec le numéro qu'il porte, il doit chercher quelque chose. Il doit chercher un truc. Carlini. Ouais. Denis Carlini. Christophe Lefebvre. André Vettès. Copyright, la team LSF. Il y a du monde là. Anthony Chinel, alors je suis désolé, hein, vu que je suis sur le classement des qualifs, il y a des gens évidemment qui se. Voilà, bah, par exemple, Paul Mann, hein, que je n'ai pas cité, c'est Jérôme Acuna. Salut Grim. Salut Grim. Comment vas-tu? Donc, meilleur tour pour l'instant, Jérôme Acuna. 2-0-0-272. Dans les 2 secondes, on a juste derrière lui 2-0-0-295 Christophe Sandre de la NRT et 2-0-0-465 Vincent Guillemin de la team OSR. Donc là, on a 3 pilotes dans la même seconde, à moins de 2 centièmes hein, les uns les autres. Alors que Jérôme. Ah, je l'ai vu avec un petit drapeau jaune. Sans doute une petite sortie de piste. Il reste peu de temps. Hein. On a terminé les qualifs. Salut Christophe, Tito. Pour le coup, on n'a pas eu le temps de faire un tour à bord hein, comme on le fait d'habitude. On va le faire avec Jérôme Acuna. Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas Suzuka, ce qui serait très étonnant. Ah, bon, mauvais choix. Pas de bol. Christophe Sand, le deuxième temps. Donc on a 47 pilotes ce soir. Ouais, c'est énorme. Ah là, c'est bien. Énorme.
Et comme le disait Titom tout à l'heure pendant le briefing, espérons que, qu'on garde ces 47 pilotes sur, les, sur l'ensemble des manches. Hein. Ce serait pas mal. Il y a plus d'inscrits que ça. Il y a un peu plus d'inscrits, il doit être 50 ou 55, je sais. D'accord, bon, ça nous fait une petite, ça nous laisse une petite réserve. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas en qualif à faire un tour. On va le faire pendant le tour de lancement derrière le... Voilà. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en piste? Manu Lopez, 13e temps. Ouais, donc il y a tout un petit groupe entre 2 et 2-2. Et oui. Après, Ah, alors on a Christophe Sandre qui est descendu en dessous des deux, hein, 1.59.930. Donc ce sera le pilote à partir en pôle. Pilote de la NRT. Christophe Sandre, 1.59.930. Bah, puis il a pu s'en vite sur la juste à la fin. Hop. Alors on a encore 2 pilotes, 3 pilotes, 4 pilotes en piste. Voilà, c'est terminé. Et donc au niveau météo, bah, comme vous le voyez là, il pleut. Je m'attends 2 secondes le temps que tout ouais. se mette en route. Pas de souci. Donc vous l'avez compris, hein, la petite vignette que vous avez en bas à droite de l'écran, c'est le stream de Tonchmax. On va essayer de vous montrer deux parties de la course dans la mesure du possible. Et on a la possibilité éventuellement d'inverser ces deux écrans. De cette manière, voilà, façon à vous montrer une autre partie de la course. Voilà. Et bienvenue à tous. Ça fait très plaisir de vous voir nombreux rejoindre le live pour ce début de championnat. Ferrari GT3, on est à Suzuka. Et alternativement, donc on aura ce stream sur ACC. Et toujours avec la team LSF, donc la saison 8 du championnat GT3 sur RF2, qui va débuter très prochainement également. J'espère que vous serez tout aussi nombreux à venir y assister. Allez, on va attendre le passage en course. Il y a tellement de pilotes qu'il me faut un 55 pouces pour le tower, ouais. Ouais, et puis là, bon, on verra comment ça se passe, mais... Malheureusement sur ACC j'ai pas possibilité de le faire défiler dans cette version, en tout cas du broadcasting qui est celui de base, hein. Donc vous n'aurez que les 30 premiers pilotes. Alors on va se mettre en vue hélicoptère sur la tête de course. Bah moi je vais me mettre sur la fin de grille. Et voilà. Alors 23 pilotes on voit en fait, hein, sur le tower. Très belle grille, hein. C'est impressionnant de voir ces 47 Ferrari là. Donc ça nous fait quand même beaucoup de monde sur la piste. J'espère qu'ils seront prudents au départ. Qu'on n'ait pas de trop de carton. De casse. Ouais, ça qui gâcherait la course, quoi. Non. Après, on n'est jamais à l'abri. Hein. C'est toujours mais c'est toujours très décevant de voir des pilotes obligés d'abandonner en début de course. Parce que quand même, tout le monde s'est... un minimum entraîné, hein. Ça promet du beau pestac, Christophe.
Allez, on va partir. 20 secondes, à peine. Ouais, Tommy. Je crois que j'ai jamais vu ça, il me semble. J'ai pas souvenir d'avoir vu autant de streamer une course avec autant de pilotes. Ah. On a Pierre Kéoul qui est au stand. Ah oui, et on a Manu. Ah, j'avais l'impression qu'il était parti tout seul. Suis derrière, oui. Ouais, c'est le temps que le jeu donne l'ordre aux pilotes de partir. Ça commence à partir derrière. Voilà. Donc c'est la procédure. Kunos. Donc avec cette petite jauge là qui oblige les pilotes à rester à une certaine vitesse. Donc il y a un pit obligatoire, hein, si j'ai bien compris. Avec une fenêtre. Avec une fenêtre. Merci beaucoup Nuvri, merci infiniment pour ton follow. Merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à toi. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi à quel moment il fallait que le pit soit obligatoire. Je pense que c'est à moitié de mi-course à peu près, donc ouais. C'est 75 minutes. Dans les 40, entre 35-40 minutes. Quoi. Et si jamais il y a un pit qui est effectué hors de la fenêtre, il sera pas comptabilisé. Voilà. Merci aussi à King Nido, pardon, pour ton follow. Merci aussi à toi et bienvenue. J'avais pas vu l'alerte. Suzuka. Alors, il est pas aimé par tout le monde, hein, ce circuit. Il fait pas l'unanimité. Ah ben voilà, King Nido, voilà, voilà la notif qui nous manquait. J'ai Dobiman aussi qui est au pit. Dobiman au pit. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être un problème technique ou. Et on a Pierre qui roule aussi au pit. Mmh. Ouais, mais ça il est pas parti du. Il n'est pas parti lors du départ de formation. Voilà. De formation. Merci Gilgolok, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi, merci beaucoup. Ah, après, c'est... Que... Ouais, pardon. Avec les chaleurs, est-ce que le matériel souffre pas aussi? C'est possible, il y a peut-être des pilotes qui vont être, qui vont avoir des problèmes à ce niveau-là ce soir, c'est pas impossible. Que tout le monde s'accélère un peu pour rattraper devant. Ouais. Oula. On se croirait sur le périph parisien. Oh là oui, ça, je vois trois voitures de front là sur ton, sur ta caméra. Il y a des gens qui, des pilotes qui n'ont pas trouvé leur place apparemment. Ça va s'arranger. Et puis là, on est en mode fantôme, hein, donc ils peuvent se traverser. Bon, vous le voyez un petit peu plus haut dans le chat, hein, je me suis amusé à le faire. Vous pouvez poser des questions à RuptorBot. Allez, c'est parti. Manu Lopez. Christophe Sandre. Et derrière, on a Jérôme Acuna. Où est-ce?
Rommel Van Nimmen juste derrière. On va, pour l'instant, ça se passe bien en tête de course, en tout cas sur les 10-12. Oh là, derrière, je vois. Attends, on va passer sur. On va passer sur Tassen. Je vois des voitures en difficulté, ouais. Deux ou moins. Ouais, oh là là, plus que ça, même plus que ça. Oui. Là, il y a eu du. Il y a eu du carton. Il y a une voiture qui s'est retrouvée à l'envers. Il y a. Ouais, je vois. Il y a eu. Ça a des gringolades dans les places pour Benjamin Millier, notamment. Guillemin, Alex aussi hein, qui est descendu à la 22e place. Romain Lejar aussi. Ouais, il y a eu un carton. C'est Renault, alors j'ai pas son nom. Pro X Racing nous dit la P2 a passé la ligne de départ avant la P1. Ah, alors on verra s'il y a une réclamation à ce niveau. Je vous propose, on va se mettre sur la P4, on va aller avec Romuald Van Nimmen, on va se mettre à bord. Oula. Oh, j'ai un mec qui est parti, je sais pas lequel c'est. Ah bah c'est Dobbyman. Dobbyman il est à l'arrière qui est parti. D'accord. Si on peut revenir en arrière. Alors on va essayer de faire un petit replay. Je suis en train de lancer, voir ce que ça donne. Est-ce que ça me fait quelque chose? Connexion timeout, super. Ah, bon. Ah, je suis not connected, très bien. Ouais, parce que là pour l'instant j'ai une image fixe. Ouais. Bon, super. Ok. Hop, c'est parti, c'est bon. Ouais, bah ça a pas fonctionné. Bon. Bon, bah il récupère la queue de peloton. Alors pour l'instant, donc on a devant Christophe Sandre, derrière Manu Lopez à 9 dixièmes, Jérôme Acuna à 5 dixièmes, alors que Romain Van Nimmen, avec qui on était il y a quelques instants, est déjà à la P4 à 1 seconde 8 derrière, et ça a créé un petit groupe de 3. Il a. Juste derrière lui, Romuald, Romain Rey. Oh, je vois. Oh là là, Crevice 42. On va essayer de faire un petit replay. Essayer de voir ce qui s'est passé entre Crevice 42. Ah oui, d'accord, on avait une voiture en travers. Allez, on revient au direct. Donc un petit groupe avec Romain Van Nimmen, Romain Rey et puis David Berthelhomme à la P6. Derrière, on a François Zion qui est à 1 seconde 7 et qui emmène derrière lui 3 autres voitures. Alors c'est marrant, on a des petits groupes qui se sont vraiment créés là. Dès le départ. On va retourner avec Jérôme Acuna à la P3. Voilà, les trois voitures de tête. Et on va aller à bord. Et on va faire un petit tour avec lui pour un petit tour de Suzuka. On fera un petit point du classement tout à l'heure. On essaiera de remonter le classement, voir un petit peu tout le monde. Bon, alors moi j'ai mon race control qui veut plus se connecter au jeu. D'accord. De voilà, donc je suis un peu embêté. Tout va bien. N'est-ce pas? Ah oui, putain, ouais, ton écran qui freeze de temps en temps. Ouais, c'est parce que quand je reviens sur le jeu, il me le freeze. Ah. Mais alors pour quelle raison, je ne sais pas. Alors je pense qu'il faut quitte carrément le jeu, démarre le race control d'abord et redémarre le jeu après. Ouais, ok, c'est ce que je vais faire. On va faire ça. C'est pas bien grave. Je te laisse enlever ma fenêtre du coup. Alors on va enlever ta fenêtre. Il ne faudrait pas qu'on risque quand même le courant d'air. Voilà, c'est fait. Okay. Alors je vois que Manu Lopez est revenu à moins d'une seconde du leader. Ça a l'air de se resserrer un petit peu, parce que même je vois maintenant Rommel Van Nimmen à la P4.
qui est revenu à une seconde de Jérôme Hakuna, donc ça se resserre un peu. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment de la course, on a moins de 8 secondes entre la P7 et la pole. C'est resté relativement groupé. Le leader, donc Christophe Sandre, 2-0-0-945. Là, il nous a éclaté déjà le temps. C'était un temps de qualif, ça, hein, tout à l'heure. 2-0-1-475 pour la P2. Voilà, je vous affiche la map, on voit comment les 47 voitures sont maintenant réparties sur le tracé. Oh, pardon. C'est revenu. Hop. Désolé pour cette petit problème technique. Allez, on va réafficher ta caméra, du coup. Tac, on est reparti. Donc voir ce que nous dit ProX Racing là, si effectivement il y aura des conséquences. Alors on n'a pas fait attention, j'ai pas bien vu, mais si effectivement le P2 est parti à passer la ligne avant le poleman. Bon, on a l'éternel petit bouchon derrière Titom. Bien sûr. Alors déjà on peut voir certains trucs intéressants. Je vois des pilotes comme Tony Witt qui a gagné 15 places depuis le départ. Et d'autres comme Romain Lejar qui lui a perdu 15 places depuis le départ. Hein, voilà. Et c'est Crevis 42, 26 places perdues. Ouais, des petites stats qu'on peut vous donner dès maintenant. Oula, j'ai vu une voiture partir en... Je pense que c'était Jbruns. C'est Jbruns. Ah, monsieur Jbruns. Ah bah Jbruns, on l'a pas présenté tout à l'heure. Tiens, monsieur Jbruns. Il est là. Est-ce qu'on se ferait un petit replay de monsieur Jbruns? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, déjà, il avait l'air d'être un petit peu au ralenti, Jbruns. Ah non, je pense que je suis arrivé un peu tard sur le replay. Non, trop tard. Bon, on ne verra pas. On va plutôt aller devant. Alors que David Bertholom vient de prendre la P4. Rommel Van Nimen vient de perdre une place, donc cinquième désormais. Il est où d'ailleurs, Rommel? Rommel, il est là. Et il a juste derrière lui Romain Rey. C'est pareil, on a ici un dépassement de Petralia Massimo sur Joris Lordel. Voilà, on a trois voitures de front quasiment là. On va se mettre. À bord. Avec Vincent Guillemin. Vincent Guillemin à l'attaque. On a un groupe là sur la queue de peloton de... Oh mais ça touche. Oh là 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 là. Ça a touché entre Vincent Guillemin et Martin, Christophe Martin. Un petit replay. C'est juste... Ah ouais, il part un petit peu de travers Martin et... Bon. C'est reparti pour tout le monde, il n'y a pas de dégâts. Et là on a derrière Petralia Massimo, hein, on a une dizaine de voitures qui sont très proches les unes des autres. Hein. Voilà. Ouh, Crevis qui vient de sortir. Crevis 42, ouais, Crevis 42, il fait un mauvais début de course. Hein.
Oh, ça sort très large devant là. Dépassement là de Romain Lejar sur Perez. Hop, et ça touche. Oh là là, c'est un peu physique, hein. On a Alex hein, qui vient de perdre une place aussi, qui est maintenant 22e. On va aller voir devant ce qui se passe avec Alex justement. Joris Lordel. Bien abîmé quand même. Ouais, je crois qu'il y a quand même eu pas mal de contacts. Joris Lordel qui vient de passer Massimo pour prendre la P16. Là, c'est plutôt en milieu de classement là que ça se bagarre. Alors, on a les deux pilotes de tête hein, qui sont dans les deux 0-0. Christophe Sandre et Manu Lopez. Ils sont bien éloignés de... Oui, maintenant on a 2 secondes 8 hein, pour retrouver derrière la P3 Jérôme Acuna, et puis à la P4 2 secondes 4, la P5 2 secondes 7. C'est... Ouais, il y a un gros écart. Hein. À partir de la P7 où ils sont un petit peu regroupés. C'est ça. On a un autre groupe à partir de la P16. Voilà, avec lequel je suis là pour l'instant. Ça chiffonne, Grim, ouais, ça chiffonne. Voilà, on est avec Alex. Il a Romain Lejar hein, juste derrière lui. On le voit dans son rétro d'ailleurs là. À 2 dixièmes, 3 dixièmes. On va aller voir un petit peu devant. Julien Dumont. 7 dixièmes de Christophe Lefebvre qui lui par contre commence à se montrer dans le rétro d'Olivier Vignon. Alors qu'Alex est parti à la faute. Non, bon, rien de grave. Il y a Copyright qui a réussi à doubler Titom. Ah, je vois une voiture en travers, ouais, qui est partie à la faute là. Ça reste très serré partout, ouais. Ouais, c'est plein de petits groupes en fait. Après, on est dans le premier. On termine le premier quart d'heure de course, hein, donc. Ouh, Monsieur Dupont. Ah, c'est Laurent Duponchel qui fait un arrêt au pit. Et on a Punter aussi qui et est. On a Punter, on le voit juste devant, oui, effectivement, au pit. Alors, Romain Lejar qui vient de prendre la P21 qui a passé Alex. On a également Ben Rossi qui a pris la P24 qui était occupée par Vincent Guillemin. Il meilleur a tour. Un accrochage à l'arrière là. Ah. Je vois Jacobi. Oh là là, oui. Et puis Dobbyman. Oh là là, oui. Alors, on va essayer de se faire un petit replay, voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont pas. Est-ce que Unita a pas essayé d'entrer au stand ou Dobbyman et ils sont tous télescopés. Salut Alex. Ah oui, il y a eu confusion là. Il a emmené. Il y a 2 voitures qui sont parties. Hein. Ouais, voilà. Et bah, ça a profité à. Et à Dobbyman, au final. Bah, voilà, du coup, ça a profité à Dobbyman. Et je vois également Pierre qui roule à l'arrêt. Exactement. Il était à contresens. À contresens. Bruno Cragnaz, on l'a pas présenté tout à l'heure. Voilà, ça fait partie des pilotes, malheureusement, je suis désolé que je n'ai pas vu. Qui est à la P32, qui vient de perdre une place. On a également là, oh là là, il y a des, oui, ça se sort un petit peu partout. Anthony Chinel en difficulté. Ah, il a l'air d'être au ralenti, Anthony Chinel. Qu'il aurait, oh là, le volant est complètement tordu. Voilà, ça a dû taper fort. Alex a perdu quelques places aussi là, au niveau de chicane avant la ligne droite des stands. Il était à l'extérieur. Il a glissé, chef, oui. Thierry Daven, bah ouais, il a dû se passer un truc, ouais, comme tu dis. Ah oui, là, ça va être le retour au pit, va être compliqué. J'ai glissé, chef. Ah, fallait pas glisser. Alors, on va retourner en tête de course. On est avec Manu Lopez, à 5 dixièmes du leader, qui est juste devant, là. Christophe Sandre.
qui mène cette course depuis le début. On n'a pas d'abandon, on a deux pilotes au pit. Thierry Daven, il est ouais 45. Ouais, là, c'est compliqué pour... On a maintenant 3 secondes final. 6, hein, juste derrière le pilote avec lequel on a, derrière Manu. 3 secondes 7, Jérôme Acuna. Regarde, là, Dupont-Chel qui est dans le sable. Alors on a Dupont-Chel dans le sable, effectivement, et puis on a également Anthony Chinel qui sort lui, qui rentre, oh là là, ça tape partout, voilà, il arrive quand même à ce qui va arriver à regagner le stand, ouais, le voilà, stand, il va c'est... arriver dans la ligne d'entrée. Oh là là, oui, il est très très amoché là, la Ferrari, là. Très amoché. Dupont-Chel a l'air d'être tanké en fait dans le bac à sable. J'ai l'impression qu'il peut pas bouger. Ah, alors là, s'il peut pas bouger, ça va faire un... Ouais, effectivement, il est assis. Ça repart. Ça repart. Bon, on va retourner voir. Le volant n'a pas l'air d'être touché, la direction. Oh là là, on a aussi Denis Carlini, là, qui a perdu 3 places, qui est 11e maintenant. On a quand même beaucoup de sorties de piste. Hein. J'imagine un passage au stand, il est à 2 minutes. Ouais. Ah, c'est bon, Dupont-Chel est reparti. Meilleur tour pour l'instant. Il est tenu par Denis Bertolome avec 2-0-0-592. Meilleur tour. Je disais que c'était bon pour notre ami Dupont-Chel, mais il est reparti dans l'autre. Il doit avoir un souci. Est-ce que c'est un souci technique ou quoi? Parce qu'il a fait le bac à gravier suivant. Ah! Est-ce que c'est un problème qui est matériel? Ah, parce que le... Ouais, le volant est pas tordu, il a pas l'air de... Il a pas l'air d'y avoir de casse sur la voiture. Bah hein. Non, apparemment. Ah, il perd énormément de temps, bien sûr. Hein. Manu Lopez, toujours. Alors on va quand même surveiller aussi derrière David, alors c'est, j'ai dit, c'est David Bertodome, pardon. À la P4, à 5 dixièmes lui aussi, mais cette fois lui de Jérôme Acuna. Ça roule par deux en fait. Hein. Christophe Sandré, Manu Lopez, Jérôme Acuna et David Bertodome. Et puis derrière on a aussi ensemble... Romuald Van Nimen et Romain Rey. On a très peu d'écart aussi, on a 2 dixièmes là entre Romain et Romuald. Ouais, je pense qu'il a cassé quelque chose, c'est pas possible. Ouais, s'il peut plus... Ouais. Ça sent le DNF, malheureusement. Oui, j'ai bien peur que... Voilà, ce qui repart sur le tarmac, ça avance, et puis quand ça arrive à un gros virage, enfin encore là, c'est même pas très très gros. Et s'il avait la possibilité de tourner, est-ce qu'il a un problème volant? Ouais, peut-être. Ça, c'est possible aussi. Anthony Chinel, salut à toi, salut à tous. Malheureusement, abandon pour moi, je me sors tout seul à l'épingle, beaucoup trop de dégâts, à plus de 2 minutes 10 de réparation. Ouais, c'est dommage, hein, on regrette pour toi. Ouais, mince. Bon. Il y a encore 4 manches. En tout cas, merci d'être passé sur le live pour nous l'annoncer. C'est sympa. Merci beaucoup. On espère te revoir sur la prochaine. Ah bah c'est sympa. Alors il y a quand même eu, on a vu quand même beaucoup de casses. Hein. De contact, beaucoup de sorties de piste dans ce premier quart d'heure de course. Très vite, on va aller voir David Bertolome là qui est venu se coller dans le pare-choc de Jérôme. On a Jacobi aussi qui est parti à la faute, genre je sais pas s'il s'est fait aider ou quoi.
Je serai là, c'est pas ma semaine. Sur 4 départs, 3 DNF. Ah oui. Vivement que la semaine se termine. Je pense que ça va être arrêt au stand pour Jacobi, effectivement. Alors on a vu aussi Clément Martin avec un petit drapeau jaune, là. Alors que François vient de perdre une place au profit de Claude-Alain d'Outremont. Allez, on retourne avec Manu Lopez à la P2. Ah, cette fois-là, il est parti chercher vraiment... le pôle, la pôle. Canina, il est où? On va te le trouver. Il est 39e pour l'instant. Il est là, Christophe Canina. Ah, je crois qu'on a un DNF, ouais, c'est Ponchel. Alors, donc un deuxième DNF. Ouais, Ponchel qui est sorti. Ouais, je pense qu'il a eu un problème technique, c'est pas possible. Ah oui, il a carrément déco. Ouais. Voilà, je vois plus que 46 voitures, effectivement. Ah là, on a un beau dépassement en direct. Ludovic Corpato qui vient de passer, qui vient de prendre la P27. Qui était occupé par Robert Savignac, 28e place maintenant. Et derrière, on a également Philippe Renault qui a pris la P29. J'avais un bon départ avec plus de 15 places gagnées. Alors ça, on l'a vu, Anthony, effectivement. Et je me fais sortir au 130 R fin du premier tour. Ouais, il y a eu du contact. On n'a pas malheureusement pas tout vu, mais. Oula, Romain Léjard là qui part très large. Alors, qui est derrière. Oh, devant. On a vu deux voitures partir en vrac. Il y a Joris qui a perdu des places. Voilà, on voit là. On va se mettre en vue hélico un petit peu, tiens. Avec Ben Rossi devant, c'est Christophe Lefebvre, Alex à la P21 qu'on aperçoit là en bas de l'écran. Olivier Vignon, Perez, Massimo, voilà un groupe là de 6 voitures très très proches, alors qu'on a encore une difficulté. Martin. C'est Martin, ouais, qui dégringole là dans le classement au ralenti. Et Massimo, Petralia Massimo, oula, qui reprend une petite couche. Massimo, Petralia Massimo, 27e maintenant. 28. Et Martin, ce qui est encore dans les graviers. Alors je suis alors désolé, que devant... j'ai pas les prénoms des gens, donc je suis désolé d'utiliser que les noms de famille, hein, ou les noms de pseudo. Voilà, alors moi je les ai en bas à droite, mais oui, c'est vrai que comme on les connaît pas tous, il y a on a une bagarre là entre David Bertolom et Jérôme Acuna. Ils sont côte à côte là dans la ligne droite des stands. Oula. Et là ils se battent pour la P3. Hein. La Ferrari numéro 10 de Martin, elle a morflé. Hein. Clément Martin, ouais. Clément. Belle bagarre là pour la P3 entre Jérôme et David. On a vu ponctuellement David prendre la P3, mais. Allez, on va rester avec eux. Il doit y avoir un souci avec la direction, parce que il prend les virages très larges pour éviter de gêner. Ouais. Ça c'est déjà bien, c'est déjà sympa. Il se met hors trajectoire dès qu'il peut, donc ça, ouais, c'est cool. Mais ça sent l'arrêt au pit
prochainement. Alors là, ça va être intéressant les arrêts au pit parce que vu que ça reste quand même très serré, malgré tout. Bon, ce qui était un peu prévisible hein, vu le nombre de voitures sur la piste. Les arrêts au pit vont vraiment relancer la machine. Mm. Allez Alex, son breakfast est toujours le premier. Ouais. Oh mais son breakfast il triche. Oui, c'est clair. Il fait des setups. C'est ça. Le seul mec sur breakfast qui fait des setups. Ah, ah ça, David Berthelhomme là qui a fait une petite erreur. Hein. Donc ça rentre au stand pour la numéro 10. Et du coup il va perdre. Il va se faire dépasser par Titan. David Berthelhomme a toujours le meilleur tour. Hein. 2-0-0-365. Et il doit avoir chaud, Jérôme Hakuna là. Il doit avoir chaud. Clairement une meilleure vitesse de pointe hein, sur, on voit sur cette ligne droite, il revient bien sur, sur Hakuna. Je vois Claude de Tremont aussi en difficulté apparemment. Est-ce qu'on a les... Alors meilleure vitesse de pointe c'est Félicité, 264 km/h. Bah, 263 moi j'ai. Ah j'ai 264. Ah, ouais, non, parce que vu que j'ai quitté le jeu et revenu c'est peut-être pour ça. Ah oui. Ouais. Romain Lejar est au pit. Alors on va retourner un petit peu devant, toujours Christophe Sandre, la NRT, toujours en tête. Mais il me semble que les NRT sont plutôt très actifs au niveau de la CC. Hein. Oui. Et ben ça se voit un peu. Hein. Ils sont combien là aujourd'hui de NRT? J'en vois deux. Ils sont que deux aujourd'hui. Une voiture bleue qui vient de sortir sur l'écran de Tonche. Ah, on n'a pas vu. Une voiture bleue. Christophe Sandre qui s'est échappé un petit peu, hein, une seconde 4 maintenant, hein, de Manu Lopez. Manu Lopez qui fait son dernier tour en 2-0-1-102. Il a un petit peu levé le pied. C'est également le cas pour Jérôme Hakuna finalement. Ah, Titom qui est dans les graviers. Titom dans les graviers? Non. Ouais. À la chicane avant la ligne des stands. Alors on va mettre ton écran en avant. Allez, ouais, trop tard, oui. Ça repart, ouais, on a vu un petit peu, on l'a vu ressortir. Petit homme. Ah, copyright aussi, non, c'est bon. Bon, bah, ça s'est un petit peu espacé, hein. Il y a quelques petits groupes encore. Ouais, qui j'allais le dire, en tout cas, sur les 4 premières places, on a des écarts, hein, ouais, qui sont les 5 premières places même. Qui sont créés un peu aussi. C'était toujours entre, bien sûr, David Berthelhomme et puis. Et Jérôme Hakuna hein, qui ne se lâche pas. Derrière, ça s'est un petit peu espacé. On va faire un petite remontée de classement. Là, je suis sur le milieu de peloton. Allez, on va. Moi, je vais remonter. Donc, 46e place. Il est malheureusement au pit. Anthony Chinel ouais. qui a eu la gentillesse de rester avec nous sur le live. On a Ulrich Jacobi à la P44. Que voilà. Laurent Unita, 42e. Dobiman à la P41. Thierry Daven, 40. Une voiture bien abîmée aussi. Hein. Thierry Daven, Romain Léjar qui est au pit, 39e, 38e, Benjamin Millier à la P37, Christophe Canina qui est à plus de 11 secondes de Titom, 36e Titom. Titom qui a lâché le rose, hein. Une voiture a une livrée jaune et noire. Pierre Kiroul, 35e.
Je bronze à la P34. Oh, merci beaucoup pour ton sub. Merci. Merci Anthony, ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Copyright 33ème à la P32, Crevice 42. Qu'on a vu aussi en difficulté en début de course. Bruno Kragnaz, 31ème. On va remonter encore un petit peu avec Philippe Renault à la P30. Merci King 27 pour ton follow. Merci beaucoup. Vous me gâtez ce soir. Ah, Vettez. André Vettez. André Vettez, pardon. Voilà, qui est donc maintenant 31ème. Ça profite à Bruno qui prend la P30. Philippe Renault, 29ème donc. À la P28, Pascal Infantito. 27ème, Johan Lae. Johan Lae qui est à 3 dixièmes de Massimo. Petralia Massimo, 26ème. Donc là, une petite bagarre entre les deux. On va rester un petit peu avec eux, voir si, si Johan ne tente pas un truc au freinage, là, au bout de la ligne droite des stands. Non. Ça reste quand même très, très proche. 25ème, Robert Savignac. À 1 seconde 6. De Vincent Guillemin, le pilote OSR. Très joli livret. Jérôme Blondel, 23e. Julien Blondel, 23e. Et devant, on a deux pilotes qui se battent depuis un petit moment aussi. À la P22, Ludovic Corpato et Joris Lordel, 21e et 22e. Alex. Pit windows open. Voilà, donc là, les pilotes vont pouvoir passer par les pits. Première fenêtre de pit. Alex, P20. Jean-Baptiste, 19ème. Olivier Vignon, à la P18. Là, on a un groupe de 3 voitures proches. 5 dixièmes, 7 dixièmes, 3 dixièmes hein, entre ces 3 voitures. Et on a Van Imen qui est au pit. Et là, ça va commencer, ouais, les retours au pit. Ben Rossi à la P17 qui emmène donc ce petit groupe. Et on va se mettre un petit peu avec Alex. Ah ouais, il y a du rond, ça rentre au pit. Voilà, ouais. Du coup, c'est Ben Rossi hein, qui est rentré. On a Dumont qui est rentré aussi. Donc j'ai pas choisi Konina. Le meilleur moment pour faire le pour remonter le classement. Konina aussi. Olivier Vignon donc 15. On a Christophe Lefebvre à la P14. On va remonter un petit peu plus rapidement. Arnaud Pérez 13ème. Claude Alain d'Outremont. Ouais, elle est très jolie hein Grim, hein, t'as vu hein. Thierry Parasme qui est 11ème. François Xiong à la P10, on rentre dans le top 10. Denis Carlini, 9ème. Stéphane Félicité à la P8. Laurent Rollet, 7ème. Tony Witt qui a fait une sacrée remontée, hein. Il est 6ème Tony Witt. Début de course qui n'était pas très bon pour lui. On a Romaré à la P5 alors que je vois Manu Lopez qui est au pit, hein, qui était quatrième là, qui descend à la P7 maintenant. Et puis donc le trio de tête, toujours Jérôme on a Akuna, le qui ouais. S'était sorti. Pour la prochaine, tu auras ma livrée car je sais pas, je l'avais fourni pour le pack. Il y a eu un bug, elle n'était pas dedans. D'accord, bon, j'espère qu'on l'aura pour la prochaine, ouais. Donc, Jérôme Akuna, ouais, la P3. David Berthelhomme, P2 maintenant, et puis toujours en tête, donc...
Christophe Sandre. Voilà. Donc là, ouais, on a une série d'arrêts au stand. Vous le voyez sur le tower, hein, la petite colonne jaune qui passe au vert quand les pilotes ont fait leur pit stop. Ah, on a un stop and go pour Manu Lopez. Stop and go de 30 secondes. Probablement un excès de vitesse dans les stands, je pense. Il y en a Pierre qui roule au stand aussi. Alex au stand. Savignac, ça, Massimo. Bien. Ouais, ça y est, ça. Ça ressort. Oh, là, on a une bagarre entre Benjamin Millier et puis Vincent Guillemin. On va se mettre à bord. Voilà. Merci beaucoup, Romain, pour ton follow. Romain, donc, OSR. Ok. Salut, salut, bienvenue à toi. On va attendre un petit peu que ça se calme là, parce que tout le monde s'arrête en fait, tout le monde passe par les pits. Oh là, on a du DT du stop and go, hein. Oh là là, je vois 4 pilotes sous stop and go. Je vois un DT pour Ben Rossi. Ah, c'est impressionnant, ouais. Trop pressé de repartir. Trop pressé de repartir, ouais. Ouais. Ou d'arriver. Oui, c'est possible. On va savoir dans quel sens. Une promo, Laurent, ouais. Un pneu monté, le deuxième gratuit. Voilà, je pense que c'est que du refuel, hein, parce que 75 minutes. Ouais. Je pense que les pneus tiennent sans trop de problème. Ah, il y a Pierre qui roule qui est encore apparemment en vrac. Ouais. Allez, un petit replay pour voir éventuellement ce qui s'est passé pour Pierre. C'est le Black Friday, Laurent, oui, c'est ça. C'est pareil, on a encore 2, 4, 6. Oh, tout 8. Seul comme un grand, tout seul comme un grand, Pierre qui roule. Hein. On l'a vu partir dans le. Ah, la caméra, malheureusement, n'a pas vu le s'il y avait eu choc contre le mur, mais on l'a bien vu partir. Ah, ça a l'air d'être tendu quand même. Bon, il n'y a pas de dégâts, il doit pas y avoir de. Il n'y a plus eu de contact, je pense. Allez, on est avec Robert Savignac. Ah ouais. Mais je suis pas tout à fait sûr que la voiture n'a rien. Ouais, la voiture doit avoir quelque chose. Ah ouais, Anthony nous dit qu'il est sorti de la même manière. Ouais. Je pense que c'est arrêté au stand pour lui. C'est. Ouais, tu mets deux roues dans l'herbe et c'est mort. Ah, on a les trois pilotes de tête au pit. Et on a Blondel aussi qui s'est loupé. Oh, alors, je m'y ferai pas, hein, ces voitures qui se traversent les unes les autres là. On a les quatre pilotes de tête au pit. Alors ça va être intéressant de voir comment ça va ressortir, notamment pour David Bertolom. Ça ressort. Christophe Sandre, Hakuna à la P2 qui ressort à la P2 et les trois autres, Christophe Rey, Laurent Rollet, David Bertolom sont toujours au pit. Ça repart pour David Bertolom qui va ressortir. Bah, du coup ça a bien espacé les gens là. Oui. Avec toutes les pénas qu'il y a. Ouais, il ressort à la P6 au profit. Là ça profite à. Carlini, hein, Denis Carlini qui du coup prend la P5. Beaucoup de paires de places là pour David Bertolom. Et ouais, comme tu le dis, devant en fait, Christophe Sandre est maintenant à 14 secondes devant Hakuna. Il y a 15 secondes derrière pour Romain Rey. 4 secondes pour Laurent Rollet. Mais du coup, ça a été la bonne opération pour Alex, il est 14.
Salut Clément, RTS Snoopy, ouais. Course à oublier, bon courage aux pilotes restants. Et go Romuald. Donc c'est Clément Martin qui intervient. Bon, ce sera mieux, j'espère, sur la prochaine. Il est vrai que vous étiez quand même, vous êtes quand même très nombreux. Hein. Alors de plus sur Suzuka, ça allait forcément être chaud. On a encore un stop and go là pour la P19. Pour la P19, Julien, non c'est Julien Blondel. Pardon. Alors que vous montrez, on a Manu Lopez en train de se battre avec. Avec Alex, justement. Bon, ça passe sans difficulté pour Manu. J'espère que Alex n'est pas... Ah ouais, non, Alex, il revient. Je pense qu'il l'a laissé passer, Alex. Hein. Bon, est-ce qu'il tourne à peu près... Ah, il tourne 2 secondes plus vite. Ouais, oui, donc il l'a... Alex, il a pas voulu prendre le risque d'un accrochage, éventuellement. Alors, derrière vous, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on peut aller voir une autre petite bagarre là entre Vincent Guillemin par exemple et Massimo? On va se mettre à bord. Petralia Massimo. Je suis sur Olivier Vignon et d'autres monts. P14, P15. Là aussi, ça passe. Vincent Guillemin qui vient de prendre la P24. On a un gros écart autour, hein, sur le dernier tour en tout cas. Pourtant, sur les meilleurs, non, mais... Alors, c'est peut-être pas terminé pour Petralia. On y reviendra. On a Claude de Alain. Oh là là, Claude Alain. Alors là, je l'ai vu à moins d'un dixième d'Olivier Vignon, mais je sais pas si on va regarder ce qui s'est passé. Ah, c'est le freinage, oui, il est allé toucher légèrement Olivier Vignon et ça l'a emmené directement dans le mur. Ils sont quand même chauds patates, hein. Mmh. Manu Lopez et Thierry Parasme. Et Rossi et Corpato également. Oh, 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 oh. C'est la température ambiante qui leur monte au nez. Ben, on a d'autres mots qui étaient repartis à la faute, du coup il a perdu encore une petite place. On a passé la mi-course, c'est incroyable. 30 minutes. Il reste pratiquement 31 minutes, il nous reste. On a une petite bagarre P5-6-7. Alors P5-6-7, on va aller voir ça tout de suite. Hop. David Berthelhomme, bah oui, David Berthelhomme. Qui était dans le petit groupe de tête hein, tout à l'heure. Qui a fait un arrêt au pit un petit peu plus long que les autres. Du coup, qui se retrouve 7ème. Et devant, on a Félicité et puis Carlini. Ah, Félicité qui vient de se faire passer. Non. Non, non. Non, ah, je l'ai vu partir sur le côté, je me suis dit un peu. Non, non, c'est qu'il allait élargir la trajectoire. Non, j'avais cru qu'il y avait eu des passements, j'étais. Je regardais ailleurs. Ah, bah voilà, Manu Lopez vient de passer Thierry Parasme pendant ce temps-là. Mais la pression David Berthelhomme là sur Samuel Félicité. Salut Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves. Ah, il se place mieux là David. Voilà, impeccable à l'intérieur. Il prend la P6. Stéphane Félicité. Et pas Samuel. C'est pas terminé. Je vais essayer de faire la même ici. Non. Comment ça va, Pierre-Yves? Ça
Ils étaient 47 au départ, Pierre-Yves. Sur Suzuka, je te fais pas de dessin. Claude Alain, d'Autremont, qui est arrêté au pit. Et là devant, Sas Bayard, P5, P6, P7. Et on a une bagarre aussi, P21, 22, 23. Alors 21, 22, 23, Ben Rossi, Corpato, Vincent Guillemin. Bertolone prend, vient de prendre David, il vient de prendre la P5. Il vient de passer... qu'est-ce qui se passe pour Denis? Denis Carlini qui vient de perdre deux places du coup. Il se retrouve 7ème. Et David devant, il s'échappe. David Bertolam, il est à 1 seconde 2 déjà. Ça va chaudement, ouais, je confirme. Ouais. Alors que devant, ça n'a pas changé, hein. On a toujours Sandre. Christophe Sandre, pardon, qui est à 15 secondes 3 maintenant de Jérôme Akuda. Et 16 secondes 6 derrière, on a remarré. Allez, on va aller voir le petit groupe avec Vincent Guillemin. Merci pour le follow, Snoopy. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Je pars 45, fin du tour 1. J'étais 28 et je me fais sortir au 130 et après je m'écrase avant l'épingle. Oui, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, effectivement. Je t'ai cité dans les pilotes qui avaient gagné le plus de place en début de course. Ah, Titom qui vient de se faire passer par Benjamin Millier. Titom à la P33. Alors Romain, moi je suis dégoûté pour ma P6 en qualif. Ouais. Bon, allez, on va dire que c'est la première, hein. C'est la première du championnat. Ça va avoir le temps de vous refaire. Vaut mieux manger son pain noir maintenant avant. Hein. Comme on dit. Les autres sont pas à l'abri. Hein. Alors on a du drapeau bleu là, hein. On a Petrella Massimo, Vincent Guillemin et Laurent Corpato qui arrivent sur un pilote sous drapeau bleu. Ouais, vous serez plus à l'aise sur Kielemi, c'est clair. Là, sous Suzuka, 47 voitures là-dessus, c'est... Déjà quand il y en a 20, c'est compliqué, mais... 46, 47 quoi. Limite en multi-classe, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, parce que... Oui, on l'a fait... En endurance. En endu, ouais. Mmh. Pour moi, ça bagarre toujours, là, sur les trois. Ouais, hein. Il y a une belle, très belle bagarre, là. Hein. Je me suis bien amusé avec les dépassements en fond de grille, avec des dégâts, ouais. Bah c'est le principal. C'est le principal, c'est de s'amuser. Et Antonini, cette année, il y a bien eu 62 voitures à Spa. Mmh. Oui. Alors j'imagine pas du tout 62 voitures à Suzuka. Hein. On a eu un dépassement là entre Christophe Lefebvre et Arnaud Pérez. Juste à l'instant, Arnaud Pérez qui vient de prendre la P16. On a Joris Lordel hein, qui se bat aussi contre Crevice 42 pour la P18. Bah là pour l'instant c'est les trois voitures les plus proches en bagarre. Oui. Ah si, et du coup il y a Lae qui s'est fait rattraper justement par ce petit groupe de trois. Oui, ça se resserre. Bon, après, pour rejoindre Joris, il y a 13 secondes hein, devant, mais... Donc là, tous les pilotes se sont bien arrêtés au pit.
Oh, puis il remonte fort, hein. Oui, ça remonte très très fort, ouais. Plonk, bois un coup. J'ai rien. Ah, j'ai une bouteille de Sprite là devant moi, si tu veux. Alors, regarde, c'est Sprite sur la voiture. Il a bien choisi son... Ouais, il a bien choisi son... Ça dit, sponsor, ouais. Hein. Oula, ça fait l'accordéon. Où il y a... Guillemin qui a failli taper à l'arrière, ouais, de... Alors, Guillemin... Ouais, deux de front sur le... Ah bah tiens, il y a... Ouh là là, ça cartonne là, ouais. Il s'est fait pousser Ben Rossi, on va essayer de revoir ça. Avant d'ailleurs, juste avant l'entrée des pits. Hein. Ouais, donc du coup il passe par les pits. Ah oui, là il est bousculé effectivement, du passage. Oh là là, puis il a failli emmener avec lui. Ça l'a repoussé dans l'entrée des pits, il s'est dit bon bah je vais y aller du coup. Ouais, mais alors du coup il a... Je sais pas ce qu'il fait... Merci Cyril Minaudier qui nous rejoint de la SNR, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Il repart des pits. Ludovic Corpato, effectivement, avec sa livrée Sprite. Sprite. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'ils se bastonnaient bien là, les 3-4 là. Bah ouais, c'est... Ah, c'est dommage. Allez, on va aller avec Joris Lordel et Crevice 42. Carpato, là, il a dû se louper parce qu'il s'est fait doubler par de Carpato et Guillemin en même temps. Ouais. Moi, je suis en mode montée P5, P6. P6, P7, pardon. Bertolome vient de passer Carlini. Et Bertolome qui a pris le best. Une 59-375. C'était un temps de qualif, hein, tout à l'heure, ça. Hein. Bertolome, David Bertolome, il est là. Il est à 8 dixièmes de Stéphane Félicité. Oh, et puis là, je vois belle bagarre là entre Renault et Pérez. Arnaud Pérez. Et Philippe Renault. Alors derrière, on a donc toujours Ludovic Corpato à 8 dixièmes de Vincent Guillemin. Joris Lordel juste devant. Avec toujours Crevice 42. Philippe Renault devant. Ah, voilà, à l'intérieur peut-être. Non. Joris Lordel et Crevice 42. Il reste 20 minutes. Et on va aller très vite aller voir David qui est à, je l'ai vu, à un dixième de Félicité. Stéphane. Ah ouais, là ça colle. Et on a Vettes qui est au pit aussi. Ah, grosse pression là sur Stéphane Félicité. Devant, ils sont plutôt tranquilles. Hein. Il y a 20 secondes entre la P1 et la P2. Et on a 20 secondes pratiquement entre la P2 et la P3.
Là, David Berthelem, il est bien décidé à ne pas rester à cette P6. Il y en a Crevis et Jurus aussi qui sont en bataille. Oui. Oups. Oh là là, oh là là, attention. Romain en train de gérer un podium, nous dit Tommy. Bah, pour l'instant, il est plutôt tranquille. Hein. Laurent Rollet est à 6 secondes derrière. Ah, c'est rigolo parce que le P2 et P3, ils ont la même quasi-distance, enfin temps entre le premier. Ouais. On a quasiment les mêmes écarts. Ça va plutôt se battre derrière. Alors ça va être compliqué parce que quand même, même si David Berthelem arrive à prendre la P5 devant, Laurent Rollet était quand même à plus de 6 secondes. David, il est à 50 secondes du leader. Mais il vaut mieux être 5ème que 6ème. Hein. C'est tout à fait vrai. Derrière aussi, on a ce pilote-là qui avait fait une belle remontée tout à l'heure, qui est remonté P6, je crois, Tony Witt, qui est maintenant 9ème, qui est à 2 dixièmes de François Xiong. Ah, ça a touché, là, entre David et... ah, dommage. Entre David et puis Stéphane Félicité. Quel dommage. Et pour ce temps-là, Joris a passé Crevis. Ah, Joris, Lordel, qui a passé Crevis, ça vient de se faire, on a peut-être le temps de faire un petit replay. Non, c'était un peu plus loin. J'attendais que tu termines. Donc Arnaud Pérez. Alors devant, qu'est-ce qui se passe? François Xiong, qui a pris la P8, mais c'est pas définitif. Non, Tony Witt reprend cette P8. Et du coup, devant David Berthelem, il a laissé la P6 à Stéphane Félicité. Il s'est replacé derrière. Ça, c'est très fair play, bravo. Il y a Pérez qui s'est fait un peu élargir et qui avait sorti et Olivier Vignon et Louis Prono ont profité pour passer. Ok. François, du coup, ça remet. Ça recrée un petit groupe là, hein. François Xiong, Tony Witt et puis David Berthelem. Bon, même si là il y a une seconde, un peu plus d'une seconde. On voit devant Tony Witt et David Berthelem. Stéphane Félicité, lui, est à 2 secondes. On l'aperçoit au fond de l'écran là-bas. Voilà. Alex qui est sur Thierry Paras. Alors, Alex. C'est un peu élargi. On a Benjamin Millier aussi sur Copyright. Alors, Alex, il est où, Alex? Il est 13. Il est 13ème, Alex, je le voyais pas. Ah oui, effectivement, il y a 8 dixièmes hein, sur... Ouais, il y a 8 dixièmes entre Alex et Thierry, ouais. Et je crois bien que David Berthelem a encore éclaté le meilleur tour. Une 59-375, je crois qu'on avait une 59-500 quelque chose tout à l'heure, non? Non, c'était ça. C'était ça, ok. Ouais, ça n'a pas changé. J'ai rien dit. On rentre dans le dernier quart d'heure de course. Arnaud Pérez à 4 dixièmes de Philippe Renaud. Alors on se bat pour la P15. Et devant c'est Olivier Vignon. Thierry va se faire gêner par un retardataire. Bon, c'est bon, on passe.
H Bronze qui vient de passer Petralia Massimo à la P24. Je surveille toujours devant, hein. David Berthelhomme à 4 dixièmes de Stéphane Félicité. Deux. Maintenant on va aller voir ça tout de suite. Voilà, il est dans le pare-choc, hein, de Stéphane. Attention de ne pas refaire la même erreur, hein. C'était au même endroit tout à l'heure que les deux pilotes là se sont sortis. Ça tourne en 2-0-1-100, hein, pour les deux pilotes de tête, hein. Ils ont gardé quand même un rythme très élevé. Ouais, Berthelhomme aussi. Hein. Oui, alors Berthelhomme, 2-0-0-355 sur le dernier tour. Mais lui, là, il est vraiment à l'attaque. Hein. Là, il donne tout. Ouais, attention, ça touche encore un petit peu. Petite poussette. Alors on a toujours nos trois pilotes aussi derrière là, à la 16-15 et P16-15-14. Arnaud Pérez, Philippe Renault, Olivier Vignon. Il n'y a plus que ces deux petits groupes là. Oui. Il y a Crevis et Guillemin. Ah oui, ouais, j'allais voir là. Oh, c'est en train de se. C'est en train d'ailleurs de se. Voilà, c'est fait. Ouais. Vincent Guillemin qui vient de passer. Crevis 42, il prend donc la P19. Et puis, si je vois aussi derrière, regarde, on a Benjamin Millier, Salignac, oui. Et puis Jérôme Blondel. Ah, alors que devant, j'ai une voiture dans l'herbe. Ah, c'était Infantino. Infantino, Pascal Infantino. Ah, il y a encore, jusqu'à la fin, hein, des petites. Petite battle là. Allez, on retourne avec David Berthelhomme parce que là on est quand même à la P7. On va arriver dans les 10 dernières minutes. Là, il y a du drapeau bleu. Ça y est, David Berthelhomme. Ah ouais. David Berthelhomme qui vient de prendre la sixième place. C'est pas terminé parce que là on est. Alors ils sont côte à côte avec Stéphane Félicité qui va reprendre légèrement l'avantage. Attention. Allez, ça se confirme la P6. David Berthelhomme. Du coup, derrière, il y a Tony Witt, qui est à moins d'une seconde, à la P8. Stéphane Félicité, qui a passé un pilote retardataire. Et là, maintenant, voilà, hein, David Berthelhomme, il est... il s'échappe petit à petit. Les drapeaux bleus, hein. Voilà, ça laisse passer, c'est bien.
Et on aperçoit dans le rétro Tony Witt là, juste derrière. Tony Witt. Qui fait partie de ces pilotes hein, qui ont tourné en 2-0-0 hein, en course. Toujours sur la P14, 15, 16. Ils ont laissé passer Sand, donc ça fait un peu accordéon. Puis là, ils se sont tous regroupés. Olivier Vignon, Philippe Renaud, Arnaud Pérez. Et on a d'autres pilotes hein, qui roulent toujours ensemble. Hein, Benjamin Millier. Oh, c'est sorti pour Renaud. Il s'est loupé. On va essayer de regarder ce qui s'est passé pour... Ah ouais, pousser, hein. Petite poussette. Oh, puis piloter dans le mur, direct. Je crois. Ouais, il a été poussé. Philippe Renaud. Est-ce qu'il a... Je regardais s'il s'était fait attendre ou pas, mais non. Bon, apparemment, il a pas de, de dégâts importants, en tout cas. Allez, on va y faire un petit... Petit coucou à Alex qui est à 6 dixièmes de Thierry Parasme sur la P13. .202, 325 pour le meilleur tour d'Alex. Et on a Bertolome qui s'est échappé de Félicité là, il lui a mis 3 secondes. Oui, 3 secondes 3, c'est énorme. Et Félicité qui est maintenant toujours collé par Tony Witt. Igor is good. Salut Duke. En vacances, c'est génial. Profite, profite. En plus, il fait un temps magnifique. Super. C'est top. Tony Witt. Allez, il reste 7 minutes. Ça a passé très vite, hein, c'est 1h15. Oui. Bah, y a eu beaucoup de bagarres. Hein, ah, pas le temps de s'ennuyer. Brun, c'est qui est toujours en bagarre avec Massimo. Hein. D'ailleurs, il vient de. Ah, alors il vient de rien du tout, puisqu'ils sont côte à côte. Brun. Bah, qui passe, a priori. Et Petralia Massimo. Hop là, une petite claque. Ah non, il est revenu. P25, Schbruns. Vingt-cinquième. Arnaud Pérez et Olivier Vignon, pareil. Non, il se replace derrière. La chicane. Bon, on a Thierry qui s'est bien écarté dans la ligne des stands pour éviter que Alex prenne la spi. Et Bertolome qui est revenu sur Carly. Oui, à 8 dixièmes. Ouais. Ah non, mais il est motivé le garçon. Hein. C'est clair. Ouais. 2-0-1, 332. Sur son dernier tour. Arnaud, tu voudrais bien manger Olivier là, sur ce coup. On va aller voir quand même David. Non, tu es avec David, toi. Ah, oui. Ça va passer pour... voilà. Arnaud Pérez qui vient de prendre la 14e place. Hein, au détriment donc d'Olivier Vignon. Allez, David. On va se mettre en vue cockpit. David Bertolome, 6e place. Oh, je pense qu'il va le passer, là.
Ouais, il a de la vitesse de. Il a de la Vmax, David. Hein. Ah, voilà. Il tournait. C'est fait. C'est fait. David Berthelhomme qui récupère donc cette P5. Alors après, ça va être compliqué parce que Laurent Rollet, il est à 8 secondes 5. Donc ça va être très difficile pour. D'aller plus haut que ça, hein, je pense, pour David Berthelhomme, sauf incident. Mais il tournait une à deux secondes plus vite que Carlini, donc. Alex. Et Thierry Parasme. Oh, c'est magnifique. Non, mais ferme ta grande gueule. C'est pas possible. Il faudrait que tu l'éteignes quand tu fais des lives. Je pense pas, ouais, que je veux dire. Ouais. Juste devant moi en plus là. un jour elle va nous dire une connerie hein. Ah oui, il y a de fortes chances. Ouh là, Alex qui a dû avoir un petit glissement. Oui. Ah mais il a pas lâché Thierry Parasme pour autant. Non. Ah, c'est proche. Hein. On est dans les dernières minutes là, 3 minutes 20. Alors on a l'habitude de dire P12, P13, moitié du classement, mais là non, c'est loin d'être le cas. on est plus habitué à avoir des courses de 22, 23 pilotes que des courses de 47. Donc, on a le fer au pit, pardon, je te coupe. Alors on a... Ah oui. Ah, la P21. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a pris... Ah, il a le volant complètement tordu. Christophe Lefebvre, effectivement. Ouais. Toujours Crevis et puis Corpato, hein, ils sont restés proches, hein, l'un de l'autre. Mm. 2 minutes 23, je propose qu'on aille un petit peu quand même avec Christophe Sandre, hein, qui va probablement remporter cette première manche. Ça déroule nickel, sans problème. Ah, on a Benjamin et Blondel qui viennent d'intervertir leur place. Ah. Voilà, dernier tour pour Christophe Sandre. Qui met 20 secondes, 21 secondes pratiquement à Jérôme Acuna, hein, à la P2. Et puis derrière, 22 secondes encore derrière, on a Romain Rey à la P3. Alors, très belle course, hein, aussi pour Jérôme et Romain, mais ils ont roulé un petit peu tout seuls, hein, depuis une grosse moitié de la course, ils sont un peu seuls. Ouais. Donc ils se sont peut-être ennuyés un petit peu. Mais ils ont gardé le rythme en tout cas. Mais les pits avec les différentes pénalités ont redistribué les cartes. Ouais, absolument. Ouais, on a eu, comment ils avaient prévu leur arrêt? Est-ce qu'ils m'avaient changé les pneus? Est-ce qu'on a quand même vu au moins 6 ou 7 stop and go, hein, et un DT. Moi j'aurais été eux, j'aurais fait en sorte d'avoir que 1 ou 2 litres à mettre au pit. Ça tu pars avec le maximum, ouais. Et puis ouais. Ça tu passes le moins de temps possible dans les stands et du coup tu gagnes vachement de place. Ouais. Mais le problème c'est que tu uses pas mal tes pneus en ayant une voiture lourde sur le départ quoi. Ah c'est UPI 1h15, hein, c'est long, hein, quand même, hein, c'est quand même des courses assez longues. Sur un circuit qui est lui-même assez long. J'ai cru qu'Alex allait y aller là. Alors, est-ce qu'il leur reste encore un tour? Non, là, non, Christophe. Non, là, ça y est, on est à 0-0. Donc là, Christophe va passer la ligne. Christophe Sandre,
victorieux. Ah ouais, bah non, là Alex c'est encore un tour pour essayer de... Voilà, c'est fait pour Christophe, ouais, voilà. Alors on va aller quand même rapidement voir Alex, puisque ça n'est pas fini. Ouais, c'est les deux plus proches là. Est-ce qu'Alex peut prétendre à la P12? Il va essayer en tout cas. Voilà, on a Hakuna hein, qui vient de passer la ligne aussi, donc à la P2. Là, on a Lae et Infonito aussi qui sont... Ah voilà, ils viennent de passer la ligne. Je pense qu'on va terminer avec Alex et tirer par Asme. Ouais, est-ce que tout le monde a pratiquement passé la tout ligne? Tout le monde a passé la ligne pratiquement. Ah, ah ouais non. Alors est-ce qu'il va tenter? Oui, oui, ça va être là. C'est oh, Thierry qui a un peu loupé. Oh, il le pousse, il le... Non, mais Alex, il est fair play, hein, y a pas de... Voilà, il va laisser Thierry passer à la P12. Et il l'a repoussé pour qu'il reprenne la, oui, oui, exactement. Le bon sens. Tout à fait. Eh ben, tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé, bravo. Alors, bravo. Alors, à Christophe, moi, hein. Ouais. Je le vois P12, Alex. Tu le vois quand même P12, effectivement, on le voit P12. Ah. Ok. Alors on va essayer de vous afficher ça. Voilà, on peut afficher tout le monde. Christophe Sandre, Jérôme Hakuna, Romain Rey, Laurent Rollet. Merci. Tu peux couper ma cam si tu veux pour afficher correctement. Alors je peux couper ta cam. Alors pourquoi ça ne s'affiche plus? Ah ouais, alors il y a un moment où on peut plus. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, voilà, je peux plus là. Je ne peux plus l'afficher, je suis désolé. Ça, c'est le problème avec... Alors, on va essayer de faire comme ça. Bon, on va vous l'afficher là, comme ça. Hein. David Berthelhomme. Je vous laisse découvrir la suite. Alors que des pilotes nous rejoignent. Romain qui nous rejoint. Jérôme. Bravo à vous. Et bonsoir. Et bonsoir. Bon, première question, pas trop chaud. Faut demander au siège. Hein. Ah là. Le ventilo, il a tourné à fond. Ouais, je suis pas surpris. Ouais, il devait faire chaud dans les baquets, hein, ça c'est clair. Bon, content de votre course l'un et l'autre. Qui c'est Jérôme qui gagne? Non, même pas, il est pas là le gagner. Le vainqueur, il est pas là. Comment ça s'appelle? Mais honneur au deuxième. Hein. Christophe Sandre, oui. Bah honneur au deuxième. Alors, voilà. Raconte-nous un petit peu. Ouais, ben content. Ils avaient un rythme d'enfer devant. Après, la stratégie, partir à fond avec le plein et. Vu la quantité d'essence que consomme la Ferrari, je pense que c'était le bon choix, vu la pluie qu'on a bien évité. Ouais. Et après, il a fallu gérer les pneus et l'essence, mais bon, ça s'est fait et la course s'est décidée là-dessus pour ma part. Voilà. D'accord. Tu as une bonne gestion de la strat. Voilà, le nombre de voitures sur la piste, là, 47 au départ... Ça a été un problème pour toi ou pas? La gestion des drapeaux bleus Les drapeaux bleus, non, ça a été surtout un peu compliqué en qualification de trouver sa place. Ouais. Puis en plus, il a fallu aller la faire assez rapidement vu qu'il y avait de la pluie de prévu et justement elle est tombée sur la fin.
En course, après, ouais, des drapeaux bleus, mais ça va, dans l'ensemble, tout le monde a été correct. Tout le monde a joué le jeu, ouais. Y a un, ouais, voilà, il y a un ou deux qui ont un peu tenu, mais bon, ça, il n'y a pas eu de crasse, quoi, voilà. Voilà. Bon, parce que nous, on a vu de notre côté, on a eu quand même pas mal de sorties, surtout en début de course, hein. Il y a eu pas mal de petits contacts avec des, puis des sorties aussi, des pilotes qui sont sortis bah, tout seuls comme des grands. Donc c'est vrai qu'au début de course, ça a été un petit peu chaotique par endroit, mais bon, si ça n'a pas gêné après, pour le reste, tant mieux. Très bien. C'est ça. Bon, bah, écoute, c'est top. C'est top. Donc, confiant pour la prochaine, c'est quoi? Qui a mis? Ouais, bah, on va tout donner. Hein. Ouais. On va tout donner. On va essayer de battre Christophe. Voilà, bah, tiens, qui vient d'arriver, Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Bravo, félicitations pour cette victoire, cette première manche. Merci. Donc, raconte-nous un petit peu, toi aussi, ton ressenti sur cette première course. Ben, j'ai eu très chaud au premier relais avec M. Lopez qui m'a collé très près pendant longtemps. Ouais. Alors après, il a pit avant moi et je ne sais pas où il est ressorti. D'accord. Puis je ne l'ai pas revu après. D'accord. Je ne sais pas s'il a changé les pneus ou pas. Ok. Bon. Non, sinon la course s'est bien passée. Là. Ouais. Bon, après, t'as roulé finalement un peu tout seul, quoi, au bout du compte. Ça t'a pris quand même beaucoup d'avance rapidement. Il m'a bien mis la pression le premier relais. Ouais, ouais. Du coup. Et après, on a vu rapidement, vous aviez des écarts assez, assez importants, hein, quand même, dès la deuxième moitié de course. Mais bon, très bien. C'est dur de gérer la qualif, par contre. Ouais, c'est ce que nous disait à l'instant. Jérôme, ouais. Jérôme. Ouais. Bah, ça fait du monde, quoi. Bah, surtout sur. Sur 8 minutes, oui, c'est tendu. Voilà, et surtout sur Suzuka, qui est quand même pas un circuit très, très large. Et, c'est un peu compliqué, ouais, c'est hein, Suzuka. Hein, c'est... Ouais, ouais, ouais. Je sais plus qui. Ouais, c'est ça. Je sais plus qui nous disait dans le chat pendant le live. Ce sera mieux sur Kialami, parce que la piste est beaucoup plus, beaucoup plus large. Et il y aura plus de. Tout le monde sera plus à l'aise, quoi. Voilà. Alors il y a MX TVANA qui nous dit bien joué tout le monde, c'était une bonne course. Ah, c'est Tony Whitway qui a fait une très belle course. Tony, bravo, très très belle course. Très bien, eh ben, c'est parfait. Vous serez là tous les trois sur Kialami? Normalement, oui. Normalement, ouais. Dans 3 semaines. Voilà. Oui, ça fait du mois, ça. Voilà, donc ça va. Il fera moins chaud, normalement. Ouais, il n'y a pas le presse, c'est bon. Il fera moins chaud. Et puis donc, bah, Romain, on t'a pas entendu, du coup. Mais Romain, il a failli pas se qualifier. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Premier tour lancé, dans le premier virage, il touche le vibreur, il finit à gauche. D'accord. Du coup, bah, deuxième tour, il restait 3 minutes. Hein. Et je réussis à me qualifier P7. Le départ, c'était chaud. Il y en a qui sont trop pressés. Bon, ça, c'est la... Ils veulent doubler par le petit trou de souris. Il a fallu défendre un peu ses chemins, mais bon. Après, j'ai géré mon rythme. D'accord. C'est dommage, je me battais avec Romuald, là, et... Oui. Pendant 20-25 minutes, et puis il est parti à la faute au centre en terre. Et passé ce petit événement, ben, j'ai dû dérouler mon rythme en roulant tout seul. Et en gérant les drapeaux bleus. Ouais, ça va, c'était pas trop compliqué. Les drapeaux bleus étaient assez coopératifs. Bon, ouais, c'est ce qu'on a vu, oui, effectivement. Ça avait l'air de se passer plutôt bien. Alors, il nous dit, Tony, c'était ma première course avec pit stop. Je savais pas trop comment ça marchait. Du coup, j'ai perdu 6 places au pit. Oui, on a vu ça. Parce que tu roulais quand même très très bien, Tony. Il fait partie de ces pilotes qui étaient dans les 2 minutes, dans les 2-0-0. Hein. Il y en avait, vous étiez assez peu nombreux finalement. Et Tony, tu faisais partie de ce petit groupe. Eh bien très bien, eh ben, écoutez, c'était un plaisir de streamer cette course. Hein. C'était top, on s'est pas ennuyé avec ton Schmax. Hein. Pas du tout. Ouais, du il y a eu tout. Pas mal d'actions. Ouais. Il y a eu beaucoup d'actions, on n'a pas vu le temps passer, et ça c'est le principal. On a été, vous avez été nombreux sur la live aussi, alors ça, merci vraiment beaucoup pour ça. Et puis merci pour tous les follow, franchement ça fait très très plaisir. Et puis on espère vous retrouver avec tous nos pilotes sur Kialami, donc pour la prochaine fois. Puis entre tout ça, on aura le GT3 sur RF2, hein, la saison 8.
jeudi prochain. Jeudi prochain. Donc là aussi, est-ce que certains d'entre vous participent d'ailleurs, Romain ou Jérôme? Non, pas non, du tout. Je n'ai pas RF2. Non. D'accord, vous ne roulez pas sur RF2. Non. Ok, du tout. Ok. Donc là, 8e saison hein, du GT3. Voilà. Xonorchi, comment participer à une course prochainement? Je débute. Ben écoute, je vais te mettre le lien de la team LSF puisque c'est la team qu'on stream ce soir. Tu iras visiter le site et puis sur leur site tu verras. Salut Titom, rejoins-nous Titom sur le vocal. Tu auras le lien du Discord de la team LSF notamment, comme ça tu pourras contacter notamment Titom, voilà, et qui t'expliquera comment tout ça fonctionne. On va faire ça tout de suite. Pardon. Oui. J'ai loupé quelque chose. On a un viewer de la chaîne qui nous demande comment participer à des courses. Ah, des courses. Bah, voilà. Donc je lui mets, je te mets le lien de la team LSF du site et puis sur le site tu as le lien vers le Discord. Le Discord. Voilà. Voilà. Ça va, Titom? Eh ben écoute, oui, je vais bien. Bon, c'est vrai que 46, 7 pilotes avec des voitures un petit peu identiques sur un circuit qui est pas très large, fallait s'en douter un petit peu. Hein. Bon, on avait un public un petit peu divers et varié, avec des vitesses un peu différentes. Ouais, ça n'a pas été propre. Je suis pas habitué à malheureusement ce genre de départ de plusieurs tours là qui ont été. Allez, je qualifierais pas de n'importe quoi, mais bon, je pense qu'il y a des choses à retenir de ça. Il y aura, je pense, les commissaires vont encore me demander des heures supplémentaires. Et je pense qu'ils vont avoir du travail, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'espère que vous le ça a été. C'était très très bien. Impec. Impec. Bon. Eh ben, c'est bien ça le principal, c'est que certains pilotes se soient bien amusés, le public aussi. Merci à tous. Très bien. Eh ben écoutez, c'est parfait. On va arrêter le live par ici. Encore merci beaucoup hein, pour tous les follow. Là, vous avez été très nombreux. Ça me fait vraiment. Là, on a gagné presque 20 followers dans la journée. C'est énorme pour une petite chaîne comme la nôtre. Donc ça me touche beaucoup. Et puis on se dit à très très bientôt. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Merci encore. Bye bye. Ciao. Salut. Salut à tous. Allez. Salut. Salut.